pour ça qu'on va parler. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Parce que si ça se trouve, lui, on lui a dit, t'appelles les flics, tu vois quelqu'un. Faut se méfier de ça. C'est ça l'entrée. Tu te vois chaud d'aller là-dedans? Dead, la mort. Tu veux, je vais voir. Non, je te laisse pas aller là-dedans pour le premier coup. Je vais mettre mes gants. L'abîme pas, parce qu'on est... L'abîme pas, parce qu'on va être en panne. Tu restes avec mon sac? Non, je dis pas comme toi. C'est par là, mais c'est hyper dangereux. Vous voulez venir ou pas? Ouais. Bon, bah, on teste. Tiens, file le sac, ouais. Pose-le par terre et tu le récupères en descendant.
contre, faut pas crier. Pas tout prendre, c'est un problème. Tu veux que je le prenne? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Je sais pas, de galère, mais c'est pas grave. T'inquiète, non, j'ai eu mal, c'est tout. Tiens, je suis tombé. La lampe de poche. Tu t'es cogné? Oui, il y a de la poussière, c'est pas. Tu touches aucun câble, on sait jamais. Plusieurs règles dans ce genre de truc. On regarde où on marche et on touche rien. Ah, ça pue. C'est son pied. C'est une fenêtre. Gaffe parce qu'il y a une usine qui marche. Hein. Garde-la au cas si on n'a pas de lampe. Mais c'est les usines de l'époque. Hein. Fais gaffe là. Chut. Merde. Regarde où tu marches surtout. Mais si tu vois. Putain, ça monte encore.
faut revenir en journée, la nuit c'est terrible. Moi perso j'aurais peur de revenir là. Ouais moi aussi. Hein. Faut que je vienne avec le taser la prochaine fois que je reviendrai. Ah ouais. Et avec du stradule. Ah. Allez. Là imagine qu'elle est pas morte. Il y a une bagnole, mettez-vous sur le côté. Non, là, c'est bon, c'est bon. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a piqué super, super fort. Quelque chose qui t'a piqué? Oui, tu m'as piqué super fort. Là, ça... C'est quoi ça? C'est pas un serpent? Attends deux secondes. Non, enlève pas ta godasse. Tu vois? Là. Là, tout là. Tout là. Et là, ça fait mal. Aïe! Ça fait pas. Mais c'est bizarre, c'est quoi? Il y a rien. Elle est là-bas, ma voiture, ou quoi? Tu peux aller voir, c'est ma voiture. Je sais pas, ça me stresse. On s'en fout, on est dehors. Je sens ta blague. Elle est plus là. Mais il y a une voiture, je m'en fous de la voiture. Elle est plus là, ta voiture. Non, mais arrêtez vos blagues à la con. Je rigole pas. Mais arrêtez. Bonsoir. C'était vous là-haut? Ça, vous nous avez vu. On a paumé quoi les gens? Oh putain. Attends, vous êtes des amours les gars. Attends, vous êtes sérieuses les filles, vous avez paumé ça. Et vous croyez si je vous dis que vous nous avez fait flipper là-haut? Je sais pas, t'étais étalé comme ça sur le truc. Pas vu? Bah si, je t'ai vu, j'ai dégarpi, tu sais. Si je suis resté pendant 3 minutes, depuis quelle heure on vous attend? Je vais faire une petite blague. Ouais non, dans ce genre de truc en pleine nuit surtout. Y'a jamais de personne qui surveille là-dedans? C'est la première fois que vous faites ça? J'ai mis la côté, tu vois, on fait des trucs à trois, des fois. Turbex et tout? Vous avez d'autres spots dans le coin ou pas? Plein, plein, c'est-à-dire, y a quoi comme truc? Arrête tes conneries. Vous avez un Insta ou quelque chose? Vous connaissez aussi? On y est allé aujourd'hui. On a trouvé un trou cet après-midi, on est passé comme ça, ouais. On a un Insta, c'est LRC Découverte. Tu peux aller voir mon page et tout. Ouais, carrément. En tout cas, on est désolé de t'avoir fait vraiment plaisir. Moi, je vous avais C'est moi, je t'ai vu, je suis parti direct. Mais merci de votre honnêteté pour le téléphone. Moi, je vous avais même pas vu. Ah
Ah ouais. Moi, mais comment t'as fait pour paumer ton téléphone, toi? Il était juste devant l'entrée, genre quand t'es sorti. Ah, c'est peut-être en faisant le roulé au boulet. Quand il a... Elle est resserrée. Ouais, elle est resserrée. C'est qui ça? Comment ça se fait que j'étais déjà en ami? Ah ouais? Ah, il nous suivait déjà. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est quoi? Incroyable, c'est quoi ton Instagram à toi? Aristote-du-bas. Ah, putain, mais c'est toi? Ouais. C'est toi? Moi, je t'ai parlé sur Instagram. Sur mon compte personnel, attends. Ah, tu vois, on rencontre des gens. Ah, attends, montre-moi, c'est bien toi. Aristote. Mais oui, c'est toi. Même le DJ, là. C'est ça, oui. Ouais. Oui, c'est le DJ. C'est le DJ. Attends. Il est venu chez nous toute la journée. Oui, mais si, bien sûr, je te connais. C'est le même iPhone. Ah bah putain. C'est toi, c'est bien toi. Et je t'ai demandé des adresses et tu donnais rien, je crois. Ouais, bien sûr, moi je donnais rien, je te jure, je suis un crevard sur ça. Même maintenant qu'on se connaît, tu donneras rien? Bah, non, je sais pas, non, vas-y, si tu veux, tu veux faire quoi? Bah écoute, je sais pas, moi, tu sais, je suis un peu débutant là-dedans. J'ai fait petite ceinture, j'ai fait les catacombes. T'es parti, t'as fait quoi dans les catacombes? Catacombes à Paris, je suis descendu dans une trappe, j'ai fait 2-3 trucs, et puis je suis remonté parce que tout seul, j'ai pas envie de le faire. Je suis descendu tout seul une fois, mais je suis pas allé en profondeur, tu vois. Et Herblay, tout à l'heure, il y avait des trucs. Herblay, on a fait un peu les catacombes. C'était bien. Ouais, c'était une carrière, ouais. Carrière ou catacombes, ouais, pour moi, c'est pareil, hein, c'est dans le même type. Il y a les eaux et tout, genre. Vu comme ça, ouais. Il y avait à certains endroits, il y avait des. Et vous aussi, vous en faites? Bah, nous, non. C'est bah, nous, on a fait quoi? Je suis en train de les éduquer dans ce truc-là, mais bon, j'espère qu'elles vont pas faire ça seules. Parce que... Non, juste des amis. Des amis, des bonnes connaissances de camping. Ok. Et puis, 22 ans. On a 10 ans d'écart. Moi, j'ai 10 ans d'écart. Moi, j'ai. Et vous avez quel âge? Bah nous, tout le monde a quel âge? Plus jeune ou plus vieux que moi déjà? Bah oui, 16. Non, 18, 17. 19, allez. 17. Oh, je suis trop fort, j'ai dit 17. J'ai été prêt, j'ai dit 18 et 16. Et puis pour finir, bordel allemand, j'ai fait à Ménil-le-Roi, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Il est pas très bien. Vite fait quoi, pour un début, pour moi, j'étais ébloui devant ce truc là quoi. Ah, tu l'as fait solo celui-là? Non, ça je l'ai fait avec ma soeur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comment? T'es une voiture? Ouais. C'est bien. Là, il est derrière le. Vous allez loin, vous? Ouais, ouais, on galère. Tu as 5 heures de transport et tout. Bah voilà, c'est la motivation. Ça fait longtemps que vous en faites des trucs comme ça? Alors, et vous les trouvez comment, les adresses, franchement? Parce que c'est ça le secret. Franchement, on est dans le train, on voit un truc. Toujours à deux? Ouais. Après, c'est bien, vous êtes un groupe, vous. Moi, ma soeur, ça lui casse les couilles. J'ai pas de gens fixes pour aller dans, pour faire ce genre de truc. Oui, mais si tu veux, un jour. Ah, carrément, parce que j'ai pas d'équipe pour ce genre de truc. Il faut avoir une équipe pour faire un truc comme ça. Après, non, franchement, les gars, t'as pas de solo. Je pense que ça va toujours solo. Ah, si vous voulez, si vous êtes chaud à Paris, moi je le fais avec vous, les catacombes. Il habite à Paris. Oui, j'habite à Paris. Bataclan. Bataclan, pas loin du Bataclan. Tout le monde connaît le Bataclan maintenant. Ouais, bah. Bon, j'en suis où dans mes connaissances? Comment ne pas le connaître après ce qui s'est passé? T'as la honte ou quoi? Mais le pire, c'est que moi, je vous ai pas vu, il y a que. Oh putain, laisse tomber. Et là, il me dit, il y a une personne. Ah direct. Vous l'avez fait flipper direct. Je vais pas te le cacher, je vais pas te le cacher, moi aussi j'ai flippé. Parce que moi, en pleine nuit, c'est la première fois que je me connais comme ça. Oui, parce que je regarde avec des squelettes. Tu n'as pas regarder ça. Enfin, voilà. Bon, désolé, c'est la nouvelle. C'est pour les gars, les impolis, c'est qu'elle me raté, c'est les polis. T'as pas les buts en symphonie, section d'assaut, c'est de la folie. Ça rêvait du million de CD. Puis les intérêts, malgré la profondeur du gouffre, on a rebondi sans trampoline. Tantôt c'est pas l'homme, c'est des killers, gros, c'est pas n'importe qui. Là, t'as du boulot, vas-y, bel ex. I got this feeling inside my bones. Got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my. Oh, je te
worst niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy.